Me bouge surtout pas. Suis-moi, je vais t'emmener. On va faire des trucs. J'ai vu une mal assez forte. Tu sais qu'en gros il peut pas prendre beaucoup de corps à chaque fois. Allez, suis-moi, t'inquiète pas, tu seras pas mort. Jette ton arme. Quelque chose de mal, tu meurs aujourd'hui. Écoute-moi bien, jette cette arme et parle normalement. Tu me fais pas peur avec cette voix. Ouais, c'est bon, tu peux parler normalement. Oui, c'est bon. Oui, allô. Ouais, bref, allez, suis-moi. Oui, j'arrive. Allez. Qu'est-ce que tu en veux? Je reste ici, tac, verrouille à clé. Et on va t'interroger. Tu restes ici, dans cette salle. Qu'est-ce que tu en veux? On va t'interroger. Jette ton arme, tout de suite, donne-la-moi. Strictement interdit d'avoir des armes. Et des boissons aussi. Attends, je reviens rapidement. Je n'en veux pas mourir. Eh ben si tu restes tranquille, allez, donne-moi. Ah non, garde, c'est bon. Bref. Alors, on va t'interroger. Déjà, pourquoi tu n'arrêtes pas de nous faire chier dans cette maison? Réponds, pourquoi te faire chier? Sérieusement, réponds et parle normalement, ça commence à me saouler, sinon je vais te tuer. Je veux votre mort. Je suis pas crédible en parlant. Comment tu veux notre mort? Pourquoi tu veux notre mort en fait? Arrête de parler avec ce voix prochaine fois, dernier avertissement. Sinon, c'est la mort assurée. Exécuteur, j'interroge cette dame là. Alors, pourquoi veux-tu nous tuer? Je te vois, tu sais. Je suis un démon qui prend les corps. Bon, c'est bon, allez, j'en ai marre. Bon, allez, tu interroges ou je te mets une balle dans la tête. Ah, bah merci, exécuteur, t'es avec moi. Ouais, et aussi toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, moi? Bon, c'est, tu en assures, hein. Bah, déjà, écoute-moi bien. C'est bon. Parle pas. Tu veux une autre balle? C'est qui le chef ici? Je suis beaucoup plus fort que toi. Je m'en fous. C'est bon, pas de problème. Ça m'a fait un culot. Bon. Attends, laisse-moi, je te soigne ta blessure, désolé pour ça. C'est bon, ça va mieux? J'en ai marre, maintenant, écoute-moi bien. Déjà, tu tues des innocents. Et tu sais que c'est pas bien, les héros ne tuent jamais des innocents. Cette femme voulait nous tuer, lorsque je l'ai interrogée, elle m'a répondu ça. Après, tu dis que c'est pas... Il avait peur, c'est assez normal. Si elle avait peur, elle aurait pas dit qu'elle voulait nous tuer. Sois logique un peu. Écoute, si elle aurait peur, elle aurait jamais dit ça. Ça doit être le premier. Ouais, c'est ça. Et c'est pas un innocent. Elle nous menace de mort. Tu crois vraiment qu'une personne est comme elle, si elle aurait peur, nous aurait dit je vais vous tuer? Comme par exemple la fois t'allais tuer notre ami, le genre comment il s'appelait déjà, le Sigodo là, je sais pas quoi. Et Anne me tire dessus. Ok, bah t'arrives à intérêt à m'écouter et à être logique un peu dans ta tête. Ouais, maintenant elle est morte. Moi, je retourne à votre travail. Plutôt toi, tu dois être logique dans ta tête. Ah non. Hein? Wesh, t'as entendu? Mais encore là, cette femme! Mais là!